Kali et elle aime arrêter la passoire si. Hein? Bon. On va aller progressivement. Des hâtes. Comment j'ai dit le mot? Qu'est-ce que tu fais? Le féri. Maman, ça fait longtemps qu'elle n'a pas goûté les histoires ici. Hein? C'est un pas pour vous. C'est pour qui? C'est pour vendre. Vendre comment? Pour vendre, non. Vendre les gens que je vais mettre la plaque en route. Je suis en train de te dire que ce matin, j'ai eu une autre idée business. Et voilà ça que tu vois devant moi là. Donc le fourré que tu vois ici, c'est commercial. Je vais compter les bouteilles qu'il va mettre au frigo là-bas. Si une seule bouteille saute, c'est qu'elle va faire à quelqu'un ici, non? Je ne comprends pas, c'est le fourré que tu vas vendre maintenant. Lui, non. Mais c'est quel degré de manque d'ambition, ça? Moi, je manque d'ambition. Non, tu manques d'ambition. Ça, c'est quoi? C'est le fourré que tu vas vendre. Non, Adeline, non, ne me suis pas. Ne suis pas quand même comme ça. Est-ce que c'est ce qui était convenu? On s'est dit que tu faisais la décoration, mais là c'est le fleuri. Tu es toujours un genre un peu, tu changes. On ne fait pas le fleuri. Tu vas voir, est-ce qu'elle parle? Comme tu es là, tu penses que il y a les sous-métiers. Ce sont les petites choses comme ça qui donnent l'argent, Boni. Et moi, je vais te dire quelque chose. J'ai décidé que je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Tu m'as remis de l'argent, oui. J'ai passé la commande maison, je les déco. Mais entre temps, qu'est-ce que je fais? Je suis à la maison. Pourquoi est-ce que la maison ne me rentabilise pas? À défaut de m'occuper de la maison, oui, je peux rentabiliser même étant ici. Si je peux avoir plusieurs sources de revenus, où est le problème? Hein? Voilà aussi un petit capital que j'ai mis dans le fourré. On va voir ce que ça donne. Moi, ça ne me dérange pas. Toi, ça te pose un problème en quoi? Attends, tu es sérieuse que moi, je vais te coucher là. Quelqu'un à 23h vient me toquer la porte. Toc, toc, toc. Je vais le fourré 5 ans. Allez, pardon. Qui te dit qu'il vend le fourré de 5 ans? Le foyer de 50 chez moi, mon ami, c'est 1000 francs. Aïe! Qui va gérer ça? Les 1000 francs là, ce n'est pas un simple foyer que je vends. Il y a les endroits ici à Douala, quand tu arrives là-bas, on te sert le foyer à 2500, 3000 dans les hôtels. Tu penses que le foyer a quoi de spécial? Le foyer que je vends est spécial. C'est mon expertise que je vends. Ça veut dire que quand quelqu'un soulève la bouteille, il boit. Ce sont mes années de connaissances. En préparation d'oseille, parce que tu sais que le gros nom de ça, c'est l'oseille. Ça, c'est quelque chose que j'ai passé le temps à manier. Donc, maintenant que je dis que ça doit me rentabiliser, là, j'ai mis toute mon expertise. Tu ne connais même pas les arômes. Tout ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est même pas les faux fourrés que les gens font ici dehors, ils versent ces arômes superficiels. Là. Moi, je fais un fourré 100% bio. Ça, c'est l'arôme naturel. Boni, ne me garde pas le marché. Tout dans la vie, c'est une question de dosage. Donc, si elle met un peu, ce n'est pas tuant. Le reste est bio. Je suis même là, bavard ou quoi. Au lieu de m'ouvrir le marché, tu es là, tu es en train de me saouler. Tu ne peux pas m'encourager, Boni, tu me laisses. Le temps que mon frère se refroidit, mais même d'avoir écrit la blague, je mets en route. Tu n'as pas écrit la blague, Boni? Ouais, Boni, tu m'as passé. Oh, Adeline, ne me. Oh! Tu n'as pas écrit la blague, comment? Il n'a écrit pas comment? Adeline. Non, Adeline, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas écrire ça.
Adeline, ne fais pas ça. Adeline, ne fais pas ça. Pense à notre honneur. Adeline, nous sommes les gars d'une des l'honneur. Elle est sérieuse, Adeline, n'écris pas ça. Ouais, ouais. L'un n'est plus aux paroles, l'un est aux actes. Mais c'est quel agissement ça, non, Adeline? C'est l'honneur là qui paye les factures. Faut que je mette le 1000 francs là où les gens vont bien voir. Normalement, mais. Là, des... Ah, attends. Laisse, tu es en train de m'embrouiller, Bobby, ne me déconcentre pas. Laisse ta voix, regarde ce que tu écris, quoi. Non, attends. Bonnie, laisse-moi. Attends. On peut mettre ça sur Facebook, non? Pourquoi tu vas mettre ça devant notre pote, Adeline? Tu fais même, je suis déjà embrouillé. Foléré. Raffiné. Adeline. Mmh. Voilà, 1000 francs. Les connaisseurs vont connaître. Adeline, quand tu es dans ton travail là-bas, ne viens pas te conditionner. Moi, je ne suis jamais venu te déranger dans ton travail. Laisse-moi. Je n'aime pas les choses de la honte. Je n'aime pas les choses de la honte. Les choses d'une des. Les gars, tu ne peux pas prendre ça de moi. Va aller au travail. Va au travail. Oui, je vais rester réfléchi. Va au travail. Va. Tu ne colles pas ça là-bas. Va. Bien compris. Va. Ne passe pas ça là-bas. Va alors. Ouais. Laisse non, j'ai compris, va. Va au travail. Va. 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 Je ne veux pas voir pour le rabat devant mon portail. Bye bye, bébé. Adeline, je ne veux pas voir ça là-bas. Bye. Une autre idée plus tard. Mais avec ça, tu m'as laissé les enfants. Voilà. Tu mets petit machin. C'est pas la saison du maïs. Ouais, désolé. Voilà. Oui. Ouais, ce n'est pas la saison du maïs. Tu prends ou tu ne prends pas. C'est 100 francs. Non, c'est 100 francs. Tu en 15, va acheter les archives avec, tu manges. Ouais, laisse mon maïs, donne-moi d'abord l'argent. Ah. Donne-moi l'argent, prends le maïs. Attends, écoute. Non, prends le goût pas. Je vends, ça ne se voit pas. Le maïs! Maman, non, regarde, maman. Maman, les voisins. Maman, regarde. Maman, entre. Wow, maman, le maïs. Maman, moi, je suis là. Oh. Bonne chance. Oh, viens ici. Ça tombe même bien comme tu es rentré. Aline, tu sais que j'ai souffert pour t'accoucher. Quand je suis tombée enceinte, je n'avais que 16 ans. Pendant que mes amis jetaient pour elle dans les toilettes, moi j'ai gardé. Les gens me pointaient du doigt au quartier. J'ai supporté, je marchais jusqu'à être coupée. Donc, c'est aujourd'hui que tu vas commencer à me. Et... Voilà. Donc, vous avez compris ce que j'ai dit, non?
Vous ne revenez pas ici tant que vous n'avez pas vendu tout ce que vous avez dans les assiettes là. Hein? Le dehors est mauvais. Quand tu manges l'argent, ce n'est pas mauvais. Tu crois qu'on ramasse l'argent là-dedans? Va là-bas vendre. Si tu me renverses la marchandise, je vais te racler si tu ne vas rien comprendre. Je ne sais pas vendre. Tu vas apprendre. Je ne sais pas vendre. Maman, moi j'ai confiance en toi. Tu me vends le plantain là. Tu es mon seul espoir dans la famille ici. Hmm? Oui, toi tu as vraiment, tu as mon esprit. Les autres ont ressemblé à leur père. Toi, c'est moi. Tu me vends le plantain là. C'est 125. Et si le client se plaint, tu lui dis que ce n'est pas la saison des plantains. Tu as compris. Voilà. Donc, je vais appeler Collins parce qu'il faut qu'il vous donne une ou deux choses. On appelle ça les techniques marketing. Collins! Il va vous coacher. Collins! Quand vous voyez un client, vous devez rentrer dans le client, donner envie. Parce que quand les clients sortent, ils ont l'argent. Ce n'est pas un argent qu'ils ont programmé pour acheter le plantain avec le monde. Mais quand vous voyez le client, vous devez aller vers le client. Vous voyez un peu. C'est ça, les enfants. Essaie de les coacher. Ah, ok. Ok, ça se passe comment? Quand vous partez, vous marchez avec les plateaux. C'est maïs, plantain, maïs, plantain. Maintenant, quand une personne fait même comme si vous regardez un peu, n'attendez pas, il n'a pas besoin de vous appeler. Vous arrêtez une fois, mais si vous voulez, le temps qu'il veut faire comme si vous sortez à le papier, vous êtes en train d'emballer. C'est comme ça qu'on fait. Vous allez voir, vous allez vendre tout ça et rentrer. C'est bien ça, les enfants, c'est seulement quoi ici là? Mais pour pas que ça va alors. Bref, allez. Allez-y. Vous avez la bénédiction de Tonton Collins. Et Kylie, regarde comment tu es bien avec ton plat. Kylie, moi, ce sont de tes frères. Ne vous séparez pas, hein. Je pense que c'est bon ça. Sont les enfants. Un cas plus tard. Quel niveau comme ça? C'est à quel niveau comme ça? Donc le feu du matin n'était pas suffisant. Pardon, débarrasse-moi ça. Ah, Bonnie, ça c'est quoi ici? Bonnie, si tu ne veux pas que je me déshabille ici là, non, laisse ma marchandise. Bonnie, je vais me déshabiller. Laisse-moi ma marchandise. Et tu trouves pas que c'est que ça, tu sais? On a parlé le matin, là, maintenant, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas que ça abuse, c'est l'argent qui manque. Tu ne comprends pas ce que c'est que le mindset. Où moi je suis là, mon cerveau est formaté. Tout ce que je veux, c'est qu'on ait des revenus. Et où sont mes enfants? Ils sont allés vendre. Non, Adeline, non. N'exagère pas, Mes enfants sont allés vendre comment? T'es bêtise ici. Adeline, s'il te plaît, j'espère que tu ne veux pas m'énerver, tu ne veux pas me tensionner parce que là, tu es en train d'upgrade le niveau de ma colère. Tu es en train d'upgrade le niveau de ma colère parce que je ne comprends pas comment les enfants qui sont éduqués, instruits, qui vont dans les écoles, qui coûtent les centaines de milliers, ils vont vendre le maïs. C'est le maïs de quoi? Je n'envoie pas mes enfants à l'école pour vendre le maïs. Tu me suis, non? Je n'envoie pas mes enfants. Et d'abord, tu vas me débarrasser de tout ça. Je n'ai pas encore botté ça parce que je te respecte. Bonnie, va alors me respecter ailleurs. Pas parce que je ne fais que me contenir. Je suis tout ce que tu entends. Pas parce que je ne fais que prendre Adeline. C'est fort, hein? Je me maintiens. Continue à je te maintenir. Je vais botter Bonnie, tes bêtises. Bonnie, maintiens-toi loin de moi. Ouais. D'abord, Bonnie, regarde où je suis là. Je me suis déjà bâti un nom ici. J'ai une réputation. Les gens me respectent. J'ai une clientèle qui commence à devenir fidèle. Si tu ne veux pas acheter de maïs, tu quittes. Allez, Bonnie, retiens-moi ça, c'est quand même. Ouais, Bonnie, qui dit ça? Collins! Tu as vu ce que ta soeur fait là-bas? Ta soeur veut me rendre fou. Ta soeur veut finir avec moi, c'est une histoire. Tu as vu ce qu'elle a fait là-bas? Elle a fait quoi? Tu trouves ça normal? Mon ami, j'ai oublié de l'argent à ta soeur. Pas besoin de l'argent, beaucoup! Ambition. Non, de l'argent à quelqu'un, regarde ce qu'elle fabrique là-bas. Et de quoi elle prend mes enfants, elle met dans ça.
Vraiment, je ne reconnais plus ta soeur. Je ne la reconnais plus. Attendons bizarrement. C'est quand elle commence à travailler que tu ne la reconnais plus. Donc, mon beau, ma soeur commence à travailler. Et c'est ça qui te dérange comme ça. Tout ça parce que tu as peur. Tu sais qu'elle va faire comme ça, travailler jusqu'à te dépasser. Ah mon ami, ne sois pas bête, ne sois pas bête. Que toi tu vois quand maintenant c'est maigre, mais elle va gagner quoi, est-ce qu'elle ne dit pas ça? Tu connais pas bien Adé. C'est vrai, tu sais que moi je suis là pour vous informer, non? Encore vous ne me traitez pas bien. Bref, Adé a passé la commande d'une grande table. Tu vois, les gros stables de bail en salon. Quand tu vois la devanture, là, il y a trop d'espace, ça sert à quoi? La table là maintenant va permettre à ça. Dès demain, en tout cas, quand tu vas te lever, tu vas trouver, il y aura la tomate, les condiments. Jansan, bébé, machin, tout ça. Tu vois les petits trucs là qu'on va avec la morue, tout ça. Ça y va même faire que même à la maison, on ne manque même plus la nourriture. On est riche. Seigneur, Adé. Tu as encouragé ça, Mais c'est pour nous qu'elle fait ça, non? Tu as encouragé ça, jusqu'à vous avez pris mes enfants, vous avez mis dans ça. Mais les enfants, eux-mêmes, ils servent à quoi? Comment tu sais à quoi ici? C'est n'est pas que tu ne peux pas porter ça, les bambins. D'abord, sauf, comme je suis. Grâce au conseil de qui? Mes enfants, ils sont chez vous, père. Vous devez vendre ce que vous êtes fiers. Papa, c'était trop bien, donc j'ai adoré. C'était une trop belle expérience humaine. J'ai persuadé des gens, j'avais pas persuadé maman, mais j'ai persuadé des étrangers. Achetez mon maître. Maman, demain, certaines personnes ont acheté même ce que je n'avais pas. Ils ont commandé. Ah bon? Oui. Mais il fallait commencer par là, Kali. Comment tu rentres aussi? Ce n'est pas le genre de nouvelles que tu mets en avant. Quand on commence un business, on aime entendre des choses comme ça, ça motive. Vous allez voir qu'on a commencé à faire ici comme ça, avec un petit fou et quelques maïs. Demain, ça devient une entreprise familiale. Voilà. Maïs, mais un cap. Le maïs, c'est cap. Oui, ça peut toujours être une bonne initiative. Où le foyer de cap? Non, on va trouver un nom qui globalise ça. Le cap se fout. Non. Qui globalise tout ce qu'on fait. Mon bébé, toi, tu as trouvé ça comment? Bien. C'était bien. Tu as aimé. Super. Vous savez même pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, je voudrais que vous soyez prêts à vivre, quelles que soient les conditions. Vous arrivez là où il y a, vous en sortez. Vous arrivez là où il n'y a pas, vous en sortez. Yes. On vous jette n'importe où, vous en sortez. Avec rien. Vous faites quelque chose. Vous vous levez comme ça un matin, vous décidez qu'à partir de rien, vous faites quelque chose. Vous savez que même si ce sont les herbes, même si vous cueillez les bébés d'or qui poussent souvent là, pour vendre, vous aurez de l'argent. Tout ce que vous voyez là, ça n'a même pas coûté de vie. Mais aujourd'hui, en soirée, sur la route. Est-ce qu'on vous dit souvent, il ne faut pas laisser l'océan ne rien faire. Vous devez connaître les vraies choses de la vie. Après ça, il y a aussi même le chat. Oui, ça va venir. C'est progressif. Oh. Donc, je suis contente. Maintenant, Kali va servir à manger aux enfants. Débarbouillez-vous, vous mangez. Dégage. Entre là-bas, ça va me servir à rien toute la journée. Alors vous demandez des conseils. Entre là-bas, vous partez vendre les enfants, là, c'est qu'on a deux fois ça. Comme ça, en train de récolter. Pardon, je ne sais pas. Il y a le dernier que j'aime mieux. Pardon, bébé.
Ouais, bonsoir. Bonsoir. Mais c'est quand même. Ouais, c'est pas toi. La personne qui vend ça, je crois que j'ai entendu cru entendre dire parce que moi elle est seulement. Je crois entendre dire que c'est 500 francs. Et au bout 500. Allez, follower. Cher. Le forêt, si c'est 1000 francs, c'est très cher. J'ai eu à consommer, j'ai besoin du forêt. Et j'ai besoin d'une commande pour l'anniversaire et le bâton de mon fils. Tu veux pour combien? 20 000. Tu veux pour combien? 20 000, si possible. Adeline! Adeline! Viens, on a un gros client, viens! Oui, pour l'anniversaire et le bâton de mon fils. Ok. Il y a assez en stock. Non, mais je peux faire. Bon, généralement, 20 000, c'est 20 litres. Mais comme c'est encore, on est nouveau, la société vient encore de s'implanter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire 40 litres à ce même prix-là. Maintenant, il faudra aussi nous recommander chez les petits enfants qui vont venir à l'anniversaire du bébé. Mais ça, c'est consistant comme ce qui est vraiment. Non, frère, c'est très, très consistant. C'est riche. Et c'est fait à base d'aliments nature, 100% naturels. Ça passe. On peut te faire ça très, très bien. Tu vois les choses qu'on. Tu vois, tous les gens, toutes les femmes du quartier, c'est qui font le fleuré là. Ce sont des choses chimiques qu'ils mettent à l'intérieur. Quand ma femme te touche le fleuré, tu comprends que femme est touchée quelque chose. Quand ma femme entre sur ça. Ah non, tu as goûté tout à l'heure, tu as vu comment c'est bon. Adé, c'est tout ce qu'elle tue, ça brille. Je crois que. Adé, qui veut aussi dire qu'il veut le maïs. Tu as servi. Non, mais attends. Je vais te faire le prix, hein. Attends, je m'occupe ici. Elle dit que ça. Parce que tout ça, je peux te faire tout le. Un pack complet, n'est-ce pas? Tout ça, même à 3000. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plus ça. C'était les bouteilles sur ton père. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai dit au client, mais ce n'était pas la vérité. Non, tu crois vraiment que moi, je fais le fouler jusqu'à on ne boit pas le fouler dans ma maison. Il a dit deux bouteilles pour nous. Une pour toi, une pour les enfants. Et une pour moi. Tu es à dépasser. C'est vrai que tu es quand même une femme que alors, il a des je suis fatigué. Quand tu me vois là, il est sans pas mon corps. Si tu pourrais me porter comme ça, tu m'amènes sous la douche, tu me laves, tu me portes encore, tu me déposes sur le lit, tu me couvres. Ça va me faire un essai bien. Ouais. Comme je n'ai pas l'énergie, comme tu me vois là. Je suis très fatigué. Notre business, ça nous a vraiment épuisé. Oh, Seigneur. Notre quoi? Le business. C'est quoi? Bonnie, tu sors la nuit. Regarde, je te jure que tu sors la nuit. Le problème, c'est que tu ne m'as pas bien parlé de ce business le matin. Tu ne m'as pas bien expliqué. C'est vrai que j'ai un peu combattu ce matin. Un peu? Jusqu'à menacer de botter mon comptoir. Ouais. Tu as fait, on s'est souillé là-bas dans la rue. Les voisins n'ont jamais entendu nos voix. Mais à cause de toi, le quartier nous a entendu ici aujourd'hui. Tu m'as pas donné, tu m'as pas bien expliqué le business. Bonnie, même si elle t'expliquait, même si elle te faisait asseoir comme ça, je prenais le tableau Bonnie et te jure que tu devais toujours faire la même chose. Parce que ton problème, c'est que quand tu n'as pas le contrôle sur quelque chose, il faut toujours que tu en fasses trop. Tu ne me fais pas confiance. Tu dis que tu m'as remis de l'argent, chose que tu as crié ici toute la journée. Tu m'as remis de l'argent, mais est-ce que c'est pour cela que tout ce que je vais faire avec l'argent, il faut que je te rende compte je ne sais pas, de mes moindres faits et gestes, il faut que je te rende compte de ça. C'est normal.
Ça veut dire que tu ne m'as pas vraiment donné quelque chose. Tu fais semblant de vouloir que je m'épanouisse. Tu veux me tenir avec la laisse. Non, chérie, rien à voir avec ça. Tu sais que nous sommes ensemble. Toi et moi, nous formons. Hein. Dans la maison-ci, même quand moi je me projette, c'est vrai que c'est moi qui prends les décisions. Mais je t'en parle d'abord, non. J'écoute d'abord ton avis, bien que je m'entête à prendre les décisions. Mais je t'en parle d'abord. C'est tout ce que je te demandais, au fait. Tu m'as parlé d'un business de décoration. Pas ma plus grande surprise, tu me sois le fleuré. Tu m'as dit, chérie, voilà ce que je compte plutôt faire ici, avec l'argent là, tu vois. On s'entend, moi tu me prépares psychologiquement. Ce n'est pas que je t'impose. Non, rien à voir avec ça. Sauf que, chérie, tu sais, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une seule. Tu vois, si tu m'en avais parlé plus tôt, on aurait conçu un business plan beaucoup plus approprié. Par exemple, je peux prendre souvent quelques bouteilles, je pars avec en salle de sport. Parce que mes clients, ce sont des clients vieilles, puis à ce prix, ils peuvent prendre ça facilement. Surtout que ça a beaucoup de bienfaits. Donc, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Demain, déjà, tu me mets 10 dans le sac. Après, comme ça, je prends 20, quand même 50. Et c'est comme ça que notre business va grandir. Bon, ton business. Mon bébé, non, non, non. Tu vas aussi m'initier dans le business. Non, notre business. C'est comme ça que notre business va grandir. Oui. Tu vas un peu. Adé, bon, ça va. Je m'excuse aussi parce que j'ai un peu banalisé ton projet. Bébé, c'est que non. J'ai tellement envie de m'occuper. Et je ne sais pas, c'est comme si j'avais quelque chose à me prouver. Et ça fait que je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas été claire. Tu vois un peu, j'ai manqué de communication. Parce que normalement, ce n'est pas ce matin que je devais apprendre ça. J'avoue. Parce que toi, chaque fois avant de faire quelque chose, tu me dis toujours. Excuse-moi, non. Je suis désolée. Ça va, chérie, ça va. Je comprends. Petit métier. Le petit, tout comme simple que celui-là. Il y a l'argent. L'argent, c'est même dans les 100 francs, 50. Je ne te demande pas. Tout dans la vie, non. C'est l'organisation, la persévérance. Moi, je connais les gens qui ont construit les maisons en vendant l'eau glacée, acheter les terrains. Les mamans qui ont envoyé les enfants en Europe en vendant les beignets bouillis à haricots. Photo marché central, il s'est battu. Hein. Il y a aussi un jeune producteur là maintenant dans le cinéma, là, celui qui nous donne là, des œuvres super. Blaise Tedjou. C'est celui qu'on appelle Option. Voilà, Blaise Option. Blaise Option, exactement. Apparemment, le gars a vendu l'eau glacée. Oui. Aujourd'hui, il brille comme ça. Après, il a vendu le glacé. Après, il a fait le cafétariat. Parce que j'ai vu un article parlant de lui. Il a fait le cafétariat. Après, la passion du cinéma. Il au vent, on appelle ça comment il... Les clubs. Voilà, les cinémas clubs. Oui. De l'époque, là. Je me souviens à l'époque, je me rappelle que les gens venaient payer 500 francs pour aller voir les films là-bas. Il a fait dans tout ça. Et on voit aujourd'hui. Ses œuvres sont un peu de partout, ils brillent. Et c'est comme ça que le fleurissi. Bon, c'est vrai que j'ai un peu combattu ça. Mais je sais, je sens ça. Ça va nous faire. Ça va nous propulser très loin. Oh oh, papa, fait que pas me laver. Bon, aussi, ça encore. Oui, j'accepte. On ne fait que dans le fleurissi, dans la maison-ci. Tu vois, rien de plus. L'histoire des tables, tomates, mais ça. Pour les images que ça vient. Oh, moi je ne suis pas dedans. Même ton maïs là, je doute encore de ça. Comme je t'ai dit là, ce n'est que ça qu'on fait. Oublie le reste là. Efface ça de ton cerveau. Bonnie. On vient de parler, non? Allez, on a le débat est clos, c'est fini. Ok. Est-ce que tu es mignon? C'est quand tu vas venir trouver le marché ici avec le régime de plantain, les patates, les ignames, le taro, que tu vas comprendre. Tu as dit quoi? Hein? Tu as dit quoi? Mais dis-moi! Tu as dit quoi? Non, Bonnie! Ah! Oui! Tu as dit quoi? Hein?